Bonsoir chers amis SH, nous sommes le 19 janvier 2017, il est 23h41 et je me laisse bercer par cette douce musique et par la vision de ce beau flamméo shiny qui est arrivé après 1740 Trésettes, étalé sur, ben, 2 mois maintenant puisque j'ai eu les versions assez rapidement, je crois vers le jour de la sortie aux États-Unis, il me semble. Et donc, ces resets sont très lents, puisqu'il faut à peu près 3 minutes pour rencontrer un starter, quoi. Donc, ayant le temps que le soir de chasser, ça m'a pris quand même 2 mois pour trouver ce starter, à savoir que mon chiffre n'est pas très très élevé quand même, puisque j'ai fait que 1740 sur une console. Bon, au final j'étais pas loin non plus des 4000 sur les deux versions. Donc mi-novembre, ayant acquis la version soleil et la version lune, je m'étais lancé donc sur la chasse au starter shiny. Donc sur la version soleil, j'avais commencé Brindibou. Et sur cette version lune, j'avais choisi de faire Flaméou, donc chacun en solo. Alors Arthur, chasseur d'étoiles 2.0, m'avait dit que je trouverais d'abord Flaméou. Il a eu raison. Donc GG à toi hein, pour ce pari gagné. Et je crois que Romain m'avait dit la même chose, donc ils avaient tous les deux raison. Moi j'espérais secrètement tomber sur lui en premier, parce que d'abord Flaméou c'est un chat, et étant une grande fan des chats, voilà, ça me tenait à cœur de trouver d'abord ce starter là, donc c'est cool. Je vais pas attendre plus longtemps, parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je l'ai en face de moi, donc je vais dire oui au surnom. Alors c'est un mâle, donc je vais l'appeler tout simplement Chiro. Voilà. Désolée, mon chat est en train de tousser, je sais pas trop ce qui lui arrive, justement. Alors. Voilà. Je reçois le Pokédex. Passe dresseur. Ah ouais, je vais directement chez la maman. Alors, normalement, je peux sauvegarder. Voilà. Alors, je sais pas du tout pour l'instant si je vais le faire évoluer jusqu'à son dernier stade. Peut-être bien, c'est encore un peu flou dans ma tête. Waouh, il est magnifique. Il est naïf, attentif au sang. Waouh. Cool. Voilà le petit minou. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'aimerais bien quand même voir si on peut le voir en combat. Il me semble que oui. C'est par là, je crois. Voilà.
deux mois que j'attends pour faire l'aventure. Pardon. Ça paraissait si long. Te prends pas la tête. Balance des capacités, on verra bien qui c'est qui gagne. Il est cool le professeur. Alors, je vais re-sauvegarder avant. Voilà. Allez, dis oui. Oui, ça va barder. Ok, allez. Alors, je vais pas découvrir les étoiles parce que je les ai déjà vues dans les vidéos, donc. Mais bon, voilà, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. C'est une étoile qui l'étoile me fait penser un peu à la 3G, mais voilà. Waouh, il est trop bon. Bon, je vais attaquer, je sais pas si ça va durer un moment sinon. On va voir ça. Je vais essayer de l'attaquer jusqu'à que. Jusqu'à qu'il soit dans le rouge. Mais t'as force dans la nuit. Encore attaquer. Voilà, on va faire des rugissements. Je vais essayer de ne pas lui faire prendre de vie en fait, essayer de le faire peut-être à la fin de l'aventure. Je sais pas encore si je vais faire l'aventure avec lui ou pas en fait. Donc je réfléchisse à tout ça, je vais pas avancer ça ce soir de toute façon. Donc là, dans le doute, je ne vais pas prendre le point de vie comme ça. Je pourrais décider tranquillement de ce que je vais faire. Un grand zico, tu as intérêt à m'attaquer quand même. Je n'ai pas envie que ce soit trop long. Voilà, je fais griffe en espérant ne pas le tuer. De toute manière, avec tous les ajustements dans tout le monde. Non, mais il va m'attaquer ou quoi? Le combat devient relou aussi. Non mais c'est un troll vraiment. Ah. Ah. Okay, ça. Non, je l'attaque, c'est pas grave. Ouais, coup critique. C'était fait exprès pour que je gagne. Bon, voilà.
ça c'est fait. Oh. Ah oui, c'est ce que Tokoriko m'a... J'ai trouvé quand Tokoriko est parti. Bon, on est chez la maman. Oh, mais il n'est plus shiny, mon Pokémon. Bon, on ne trouve même pas maman pour... Non, c'est dommage, j'aurais pu le faire en spike shiny, quand même. Parce qu'il a la classe. Voilà, bon. En espérant que je puisse sauvegarder et vous laisser sur ces images-là. Le lendemain. Bon, vous savez quoi, je vais continuer l'aventure toute seule, hein, parce que là, ça devient un peu long après. Voilà, bon, mais écoutez, je suis très heureuse de vous avoir présenté ce Flamiaou Shiny. Je vais pouvoir profiter un peu du jeu, de l'aventure et voir tout ce qui s'y passe. Et continuer ultérieurement, rendez-vous, que je n'arrête pas, bien sûr. Allez, je vous souhaite bonne chance à tous dans vos recherches et à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!